Donc, comme j'ai expliqué, le 30 octobre et au début novembre, on nous réquisitionnait quelques-uns dans les chambres, étant donné les derniers arrivés étaient les plus costauds encore. Hein. Et je suis atterri ici. Et il y avait des billes de chemise qui partaient. Et ils ont expliqué que par trois, nous devions planter un poteau où ils avaient tracé des distances. Ben, moi, naïvement, j'avais entendu dire qu'ils élevaient quelques petites bêtes, des cochons, peut-être un veau, les essais, hein, parce qu'ils étaient bien nourris, ils étaient costauds. Et naïvement, je croyais qu'on allait faire un enclos pour les bêtes. Bêtement. Et un plus vieux, on ne pouvait pas parler. Il y a un essai à chaque poteau avec nous, hein, pour trois hommes, un essai. Et alors, tout bas, il me dit quand même, vous expliquez ta dume quand même. Et il m'ajoute, si vous en avez un pour mai, ça va bien. Qu'est-ce qu'il veut dire? Et quand on est rentré dans la chambre, il m'a expliqué. Et j'étais au troisième poteau quand j'ai commencé à me poser des questions. Parce que partant de là, il y a deux bottes qui ont commencé à arpenter, à mesurer au pas le terrain. Et alors, il a tracé dans ça, puis il a tracé une ligne. C'était la ligne de tir. Et alors, c'est seulement à ce moment-là que je me suis dit, oh, oui, oui. Voilà. Ça fait que je suis l'auteur criminel, mais forcé, du troisième poteau. Mais il a déjà été changé, c'était pas celui-ci. C'était des grosses travers de chemin de fer, même. Tout ça a été changé.